Et bonjour à toutes et à tous, bonjour, 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 bienvenue dans une ouverture. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert des produits Yu-Gi-Oh! Et on s'ouvre une extension que j'attendais depuis longtemps, les duels des profondeurs. Alors bon, nous sur le packaging TCG, on a Mako Tsunami, beaucoup de gens ont un peu crié. Honnêtement, je le trouve vraiment très beau, très classe. On voit la baleine forteresse, Kairi Yoshin. Voilà, franchement, c'est beau, c'est de toute beauté. Alors, les recherches là-dedans, c'est comme d'habitude, hein, moi c'est des cartes que personne ne veut, ça va être principalement des communes pour terminer un deck Umi. Et nouveau truc, maintenant vous me voyez dans le problème de mon téléphone, il y a un double moi. Et un magnifique shirt Melfi. Voilà, je tourne ça le jour de mon anniversaire, je viens d'avoir ce cadeau. Et j'en suis très fier, je vous emmerde si vous n'aimez pas Melfi. Ça c'est dit. Allez, on passe à la petite ouverture. Je vous dis maintenant, on fait les ouvertures non travaillées à l'arrache comme ça, on est en mode on s'en bat les couilles, tout ça. Oula, 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 oula. Hop, on va recadrer ça. Voilà. Et on s'ouvre cette display. Donc du coup, il y a 36 boosters. Et je pense que je vais faire ouvrir un des boosters par ma femme qui est à côté de moi si elle joue à une tête de oui ou non. J'attends sa réponse. Ça dépend, d'accord. Bon bah. Si, quand elle aura envie d'ouvrir un booster, elle se déplacera, elle viendra à côté. C'est long. Reste à me superviser et me corriger lorsque je fais des fautes. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une display quoi. J'avais dit que j'arrêtais les displays. Et ben du coup je craque. Oh là là. Il pleut des boosters les amis. Il pleut des boosters. En tout cas je remercie Shenbox.fr chez qui j'ai commandé du coup cette display qui reste mon partenaire. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, www.chainbox.fr. Et nous, du coup, on va s'ouvrir dans l'immédiat, parce qu'il y a 5 cartes par booster, donc ça va aller relativement vite. Alors, il y a la gouttelette aussi qui pourrait être sympa à trouver. On en a pas mal. Il y a la gouttelette à trouver. On va mettre ça en déco, là. Comme ça, je sais pas si vous, si vous voyez vite fait le profil, mais voilà. Si jamais on chope la gouttelette, on fait yes, même si on s'en fout, parce qu'on aimerait bien choper tout le reste. Allez, let's go. En plus, il fait une chaleur incroyable cet été. Eh oui, c'est vrai qu'il y a le support Marine Cess, j'avais zappé. Alors, cœur de cristal Marine Cess, pour commencer. On commence avec du coup, une réédition. Fureur de Kairi Yushin. Un cheval de mer Marine Cess. Océan de combat Marine Cess. Et derrière, nous avons un attaque de furtif de la mer 2. J'aime bien le jeu de mots avec la mer 2. Non, faut pas bloquer le focus, faut juste que je le mette bien comme ça. Voilà. J'ai le problème, c'est toujours ce problème de ring light qu'il faudrait que j'aurais. Bon, on a une petite, du coup, rare. Oui, c'est une petite rare, c'est un peu osef. On va prendre les boosters un peu aléatoires, on s'en fout de l'ordre dans lesquels on va trouver quoi que ce soit. Allez, let's go! Alors, requin cyber, le petit requin cyber, qui fait toujours zizir. Attaque furtive de la mer classique. Armure complète, l'ancien rayon sombre. La méga baleine forteresse, voilà, petite première ultra! Voilà, c'est cool, c'est le premier ultra. Et l'anneau de bulle Marine Cess. Alors ça, c'est cool, la méga baleine forteresse. Je ne l'avais pas. Donc ça, c'est cool. On continue. Troisième booster. Rage de Kairi Yushin. Numéro 601, honneur silencieux ténèbres. Ange des mers Marine Cess. Le pêcheur légendaire 2. Parfait, parce que je comptais justement faire un deck pêcheur légendaire pour le fun. Et circulation Marine Cess, qui va être du coup dans le support Marine Cess. On continue. Roche marbrée Marine Cess. Cœur de merveille Marine Cess. Chaos rapide Magir en plus. Le pêcheur légendaire 2. Ça y est, on a un doublon. 7ème éternité. Et voilà. On a terminé pour ce booster. Oui, franchement, il y a beaucoup. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de doublons. Et il y a beaucoup de cartes un peu aux F. On continue avec le Givrosaur, donc c'est le monstre haut dinosaure, voilà, qui est un monstre normal dont tout le monde se fout. Numéro 601, honneur silencieux ténèbres, tank bleu Marine Cess et Springfield Marine Cess, donc du premier super rare avec une nouvelle Marine Cess qui est très très belle, il faut être honnête. Et la demoiselle dormeuse Marine Cess. On continue avec le support Marine Cess et ça c'est cool. Hop là. Allez, 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 à tous les qu'on gagne. Requin 6 sur... Oh là. Ok, je pense qu'il y a un truc, on va voir, mais... Requin 6 circulaire. Ange des mers, Marine Cess. Le pêcheur légendaire 2. Et le sonar de poisson. Mais oui, il y a quelque chose, l'ultra sonar de poisson qui est très utile du coup pour les decks. Oh, et ça va être très bien pour pouvoir jouer du coup le pêcheur légendaire. Le dragon, les via Dédale, justement, j'allais le dire, voilà. Alors ça, c'est parfait, il me faut le playset de Dédale. Ça, c'est clair et net, il me faut un playset de dragon, les via Dédale. Et deux autres sonars de poisson, et on sera heureux, on sera refait.
On continue. Cheval de mer, Marine Cess, Fureur de Kairi Yushin. La 7ème, Magir en plus. Le requin sabre, hein, du coup, qu'on a eu déjà quelques fois. Et le dragon, il vient des dalles. Voilà, parfait, on a déjà le deuxième. Qui dit mieux? Je transpire comme un bœuf. Il fait trop chaud. Faut vraiment que j'investisse dans une clim. Enfin, je pense qu'on n'aura rien. Rage de Kairi Yushin, donc qu'on a déjà eu. Le requin sabre, qu'on ne compte plus. Numéro C5, qu'on ne compte plus non plus. Le pêcheur légendaire 3, ça c'est bien, parce que du coup, depuis tout à l'heure, on avait le 2, et là, on a enfin le 3 qui tombe. Et récif sombre, Kairi Yushin. Je pense vraiment pas faire un deck Kairi Yushin. Quoi qu'on marque, avec tout le support que j'ai en vrai. Je suis pas fan du tout de Kairi Yushin. Je suis plus fan du pêcheur légendaire et de la baleine forteresse, donc. C'est plus pour ça que j'ai pris cette display qu'autre chose. Remora Xyz, le pêcheur légendaire 1, donc très très bien. Tank bleu Marine Cess, hommage torrentiel qui fait toujours son petit effet, qui est toujours fort dans le format. Et attaque furtive de la mer 2. La mer 2. Oui, continue. Il y a ma femme qui vient de s'équiper pour faire une ouverture. Tu vas venir juste après celui-là alors. Place-toi derrière moi. Lumeria, la cité oubliée. Requin Saber. Le Givrosaur. Rage de Kairi Yushin et le requin à double nageoire. Parfait, tiens, penche-toi en avant, tous. Attends, je... Ouais. C'est là qu'il faut que tu regardes. Encore pas mon ouverture, attention. On va chier des bulles. Voilà, tu veux être là-bas, t'as tout compris. C'est bien, calme. Plus haut. Voilà. Il y a un micro. Ouais, je sais. Alors, tangle Marine Cess, retincée circulaire, océan de combat Marine Cess, Remora Xyz, et 7ème éternité. Ah, tu m'as pas porté chance, mais c'est pas grave. Donc quoi, de nos mises, qui t'a permis d'ouvrir un deuxième? Ah, c'est super. Allez, on continue. Le pêcheur légendaire 3. La fureur de Kairi Yushin. Lemuria, la cité oubliée, ça c'est toujours cool d'avoir. Et oh, numéro 106, main de géant. Une petite super, on s'en fout un peu, mais voilà. Et le requin Bamut, ça par contre c'est très cool d'avoir le requin Bamut. Ouais, le numéro 106, je m'en fous un peu beaucoup. À dire énormément. Continue. Armure complète, lancier rayon sombre. Le pêcheur légendaire, premier du nom. Hommage torrentiel. Numéro 71, requin. Rébarien et Anémone Corallienne Marine Cess. Encore des cartes à trier. Je commence à plus avoir de place en plus. On va faire un deuxième tas parce que celui-ci commence à déborder. Fureur de Kairi Yushin. Roche marbre et Marine Cess. Numéro C101, Honneur Silencieux Ténèbres. Requin Sabre. Et un nouveau dragon Lévier des Dalles. Et voilà, on a déjà le PC de Lévier des Dalles. Je pense qu'on en aura plusieurs et c'est pas pour me déplaire. Ça, c'est une carte qui a un effet qui est assez cool. Clean le board de l'adversaire. C'est très très bien. Chaos rapide Magir en plus. Vague Marine Cess. Poisson pêcheur silencieux. Je sais plus son effet. Si vous contrôlez un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte de votre main. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis votre main le reste de tout. Ouais. Oh, Aquargonaut Marine Cess. Petit Ultra Link 4 Marine Cess. Qui à mon avis doit être très joli. Faudrait que j'aille voir la vidéo de Mana là-dessus. Concernant les Marine Cess, qui doit bien expliquer justement. Oula, comment ça fonctionne. Il est comme c'est son deck de cœur. Alors, numéro 71, requin Rebarian. Requin Cyber. Requin Saber. Chaos Magie Ramp Plus. Et attaque furtive de la mer 2. Je vais mettre un caca en emoji à chaque fois qu'il y aura cette carte. Ça va être assez drôle. Allez, la 7ème Magie Ramp Plus. Baleine Citadelle, enfin elle tombe parce que c'est vrai que tout à l'heure en commune on avait pas eu la Baleine Citadelle. Cheval de mer Marine Cess. La Méduse électrique, c'est pas dégueu. Ok, je sais même pas qu'elle avait. C'était pas un monstre normal de base, ils ont fait un monstre à effet, je crois. Et le requin à double nageoire. Il en reste encore pas mal de boosters. 1, 2, 3, on s'en fout, on les ouvre. Allez, on enchaîne, on n'est pas là pour sucrer des framboises. Alors, Roche, Marbre et Marine Cess. Toujours du Marine Cess. Le pêcheur légendaire 2. Roche de Kairi Yushin. Cheval de mer Marine Cess. Et 7ème éternité. J'ai dit que je fais un deuxième tas, donc on va faire le deuxième tas. Hop. Vague Marine Cess. Pascalus Marine Cess, ça c'est cool. Cœur de cristal Marine Cess. Tank bleu Marine Cess. Requin à double nageoire. On a beaucoup de requins à double nageoire à la fin quand même. En rare, ça pue pas mal du cul. Hein. On va pas se mentir.
Baleine citadelle, la 7ème magie en plus, poisson de pêcheur silencieux, cœur de merveille marine 16 et anneau de bulle marine 16. Anneau de bulle marine 16 par contre c'est cool. Parce que c'est pareil, c'est du nouveau. Quand c'est du nouveau, c'est cool. Mais les autres marine 16, on les a déjà eu, j'avais moyen de faire d'autres trucs avec des monstres hauts. Vague marine 16, avec juste mettre des nouvelles marine 16, ça aurait été cool. Ange des mers marine 16, baleine citadelle encore, océan de combat marine 16 et animal. Putain, j'ai eu que du marine 16 à part la baleine citadelle là-dedans. Je vois qu'à côté elle s'impatiente, on va la faire ouvrir le prochain booster. Vas-y, viens ouvrir le deuxième. Viens voir ton deuxième. Tang bleu marine 16, cœur de cristal marine 16, requin cyber et le kraken de la mort. Ben voilà, c'est cool, le petit kraken qui tombe. Et derrière, circulation marine 16. Le kraken qui tombe, c'est cool, super. Allez, tiens, cadeau. Oh, choisis ton booster, Marc. Bah ouais, ce sera bien, ça évitera de t'entendre parler. T'entends ronchonner depuis tout à l'heure. Bah, je suis en pleine ouverture, j'ai pas trop envie de faire taper une discussion là. Pêcheur légendaire. Oui. Le vrai retour, il est là. Oh, le requin de cristal qu'on n'avait pas encore. Requin Bahamut, ça c'est le requin Bahamut, est très cool. Oui. C'est ça. Continuons. Putain, si la ghost elle tombe, non. C'est très drôle. C'est ma première. Hein. Pascalus Marine 16. Cœur de merveille Marine 16. Baleine citadelle. Océan de combat Marine 16. Anémone Coraline Marine 16. On continue. Lemuria, la cité oubliée. Givrosaur. Roche marbre marine 16. La méga baleine forteresse. Mais attendez. Ça fait la deuxième. Mais bien sûr, c'est la deuxième. Et demoiselle dormeuse marine 16. C'est la deuxième. Je pense qu'à mon avis, en une display, il y a moyen pour les gens de build un deck marine 16 qui tourne bien. Et par contre, c'est méga cool de pouvoir faire un deck baleine forteresse. Ça, par contre. Pêcheur légendaire 3. Numéro 71, requin barbarien. Attaque furtive de la mer. Givrosaur. Et requin Bahamut. Le requin Bahamut, quand même, est tombé aussi pas mal de fois. Alors, pour l'instant, à part les ultras. Y a pas de secret dans cette extension, je crois, en plus. Hein. Je crois pas, en tout cas, je n'ai pas eu pour l'instant. Remora X's, poisson pêcheur silencieux, armure complète lancée rayon et pioche du chaos de Barian. Ok, je ne savais même pas, c'est pour le monstre 7ème, ça je crois, oui. Et anémone coralline, ok. On est plutôt bien, en vrai. Putain, le dragon Lévia des dalles, c'est la seule rare que je mets de côté, quoi. Putain, j'abuse. Hop. Cœur de cristal, Marine 16. Chaos magère en plus, poisson pêcheur silencieux, requin 6 circulaire et attaque furtive de la mer. On a déjà eu en 50 000 exemplaires cela, donc on s'en bat les coquillages. Et en plus on est dans le thème en disant de nos coquillages. Roche marée marine 16, la 7ème magie en plus, baleine citadelle, cheval de mer marine 16 et demoiselle dormeuse marine 16. Allez, il reste 6 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il reste 7 avec celui-ci. Donc celui-ci, puis il restera 6 boosters. On continue, hommage torrentiel, le pêcheur légendaire, Remora X's, requin sabre, attaque furtive de la mer. Bon allez. Ghost. J'aimerais bien qu'elle sorte. Première ghost, ce serait cool. Pascalus Marine 16. Cœur de mer. Marine 16, chevalier de Nash. Ok, je m'en fous un peu, mais ok. Demoiselle. Franchement, je m'en fous un peu des monstres chevaliers. Après, c'est un aqua de monstres niveau 5. Bon. Pas très fan. Requin 6 circulaire. Numéro 71, requin machin. Vague Marine 16. Les murs à cité oubliés. Et circulation Marine 16. Eh ben putain, plus que 4 boosters. Allez, la ghost là, allez, tombe. Bon, une nouvelle ultra serait cool. Armure complète. Requin 6 circulaire. Ange de mer marine 16. Attaque furtive de la mer. Anémone. Je vais passer, hein, les trucs qu'on a déjà vu. On s'en fout. 7ème magie en plus. Hommage torrentiel, les Muria. Oh, triangle de corail marine 16. Désolé pour vos oreilles. Oh, elle est trop belle. Franchement, elle est vraiment trop belle, la triangle de corail marine 16. Elle est vraiment un certain style. J'aime beaucoup. Très belle ultra. Très belle ultra. Je suis heureux. Je suis un homme heureux. J'ai pas mal d'ultra marine 16. C'est con qu'elles sont en fois une, mais bon. Du coup, armure, requin, ange de mer, attaque furtive, récif de Kaioshin. Et le dernier booster qu'on maraboute, allez, donnez-moi vos forces, les gars, allez. On souffle pour la fin. On va l'ouvrir vraiment en mode lenteur. Et je pense qu'il y aura rien.
Fureur de Kairyoshin. Roche marbrée Malincess. Numéro 601. C'est maintenant ou jamais. Pioche du chaos. Ouais, bon, il y a pioche du chaos en ultra. Et le dragon Lévia des Dalles. Voilà, bon, de toute façon, dragon Lévia des Dalles. On avait déjà le playset. Mais voilà. Que je me trompe pas de scène. Full screen. Voilà. Bon, cette ouverture, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, écoutez, les duels de profondeur est une très bonne extension. Vraiment, j'aime beaucoup l'extension Lévia des Dalles. Il n'y a pas tellement de support pour Lévia des Dalles, il y a du support pour Marincess dedans principalement, mais il y a beaucoup de choses comme la baleine forteresse, etc. J'aime beaucoup les decks hauts en fait, qui sont assez drôles à jouer sur Yu-Gi-Oh! Donc, c'est l'occasion. Si vous aimez tout ce qui est monstre haut et que vous voulez vous tenter au Marincess ou tenter la Ghost ou autre chose, bah, n'hésitez pas. Duel des profondeurs. Voilà, dueliste légendaire avec le petit Mako Tsunami dessus qui a fait un petit peu débat parce que les gens disent ah, c'est toujours la première génération. Ouais, mais moi je suis content qu'il y ait du Mako. Pour une fois, Mako, je l'aime bien, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette ouverture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, laisser votre commentaire et compagnie. Vous faites des bisous. N'oubliez pas de vous abonner surtout et à très bientôt.